l'arachide jusqu'aux galettes. Comment est-il possible? Notre descente ce samedi matin avec les amis du tiers-monde nous a permis de découvrir ce qui suit. Organisé en une association dite Afosogbe, ces Amazones, sous le leadership d'une dame de fer, Victorine Dato, ont bénéficié de leur matériel de travail pour mieux exercer cette activité. On a commencé la tournée hier avec nos partenaires. Donc eux, ils arrivent une fois par an. Moi, je cible les groupements des personnes indigentes et quand ils arrivent, on fait le tour pour les voir. Et ils trient les projets et ce qui est faisable, ils financent. On était dans un village de Lanta pour des latrines à Sikabi. Après ça, on est allé dans un village de Kokoma pour le microcrédit aux femmes. Aujourd'hui, on a continué, on est allé à Zouzouzou. Il y a un groupement de femmes qui a bénéficié de matériel de transformation des arachides en huile et galettes. Après ça, on est allé à l'école de Akokwe-Bali, où il y a 15 filles qui ont été sélectionnées d'avance. Moi, je leur ai donné les fournitures. Donc, ils sont arrivés constater la réalité des choses. À Kobane, qui a roué même exercice avec 30 élèves. Donc, ils sont à 50 francs par jour. Ils ont les fournitures chaque année. On les suit. J'essaye jusqu'au CM2. Oui, je remercie mes partenaires. Parce qu'on est ensemble, ça fait près de 20 ans. C'est une affaire de confiance. Et l'essentiel est que les bénéficiaires arrivent à en faire un bon usage. Joie partagée, l'autorité d'arrondissement de Sokoukwe, Jean Akbo, conscient des difficultés qu'elle traverse, dit merci aux généreux donateurs et appelle à plus d'engagement ces braves dames. C'est naturel à notre quoi. Donc, on est en train de voir aussi des supporters, ceux qui vont nous aider un peu là. Moi, je suis très content. Nous vous demandons d'être toujours à nos côtés, quoi, pour les aider. Mais nous, c'est pas le prix. Au moins, avec la vie, quelque chose. Nous vous prions de chercher les partenaires. Vivement que l'éternel Dieu puisse les accompagner pour le bien-être social de tous.